Bonjour YouTube. On va jouer à Bunhouse. Déjà, je suis curieux de savoir si le jeu est en français, mais je pense que non. On peut jouer jusqu'à 4 en multi-local, mais malheureusement, il n'y a pas de multi-online. Oh, je peux regarder, je peux faire ses petites oreilles. Attendez. Comme ça. Bon, bah... Oh, j'étais celui-là. Oh, il est choupi aussi, celui-là. Oh, ils sont tous choupis. Moi, je vais prendre Lily. Lily est très bien. Et... Ah, je pourrais leur mettre des chapeaux à terme. Très bien. Bien. Tu as sauvé... Tu as économisé cette carotte pour t'acheter ta propre serre dans la forêt. C'est pas encore grand-chose, mais allons dedans et faisons pousser des trucs. Très bien. Prends le sac de terre pour le mettre dans le pot. Très bien. Ok, très bien. Utilisez le bouton utiliser. Hop là. Comment je repose le sachet? Ici. Non, sur la table. Voilà. C'est ça propre. Ok. La même chose, mais avec les graines. Mais... Non. Ok, comme ça. Très bien. Et l'arrosoir. Parfait. Sauf qu'il y a pas de l'eau, je suis supposé. Non. Ah, non, j'ai... C'est la Gelgi, tout va à volo. Ok, très bien. Reprendre l'arrosoir. Utiliser l'arrosoir. Faut que j'arrose encore plus. Ah, tu as planté ta première graine. Différentes plantes ont besoin d'un différent de quantité de soleil et d'eau. Tu peux toujours vérifier Plantepedia dans le menu principal pour vérifier ce dont chaque plante a besoin. Dûment noté. Allez, jeter un œil. Vérifions si le jeu... Alors, je crois pas que le jeu soit en français du tout. On est en qualité épique, là, quand même. Hein. Non. Pas de version française pour l'instant. Zoom in, zoom out. Inspect objet. Ok, très bien. Plantepedia. Je sais même pas ce que j'ai planté, au fait. Inspecter. Déjà, on va reposer ça. La caméra est devant le menu. Ah ! D'accord, donc on peut changer aussi les plantes directement des pots. Hit de Caribotan, d'accord, très bien. Oui, en fait, vous ratez pas grand chose en fait avec la caméra. Attendez, si je fais ça, c'est vraiment. Non, vous ratez pas grand chose. Le mini Plantepedia sur l'écran de jeu, d'accord, ok, attendez. Je vais corriger ça. Deux secondes. Dès que je retrouve qu'est-ce que c'est un curseur de souris, comment on s'en sert? C'est imminent. Faites-moi confiance, d'accord? Alors, il pourrait vous sembler qu'on voit plus l'image du jeu. C'est normal. C'est parce que je suis un professionnel. Voilà. Maintenant, on n'a plus la musique. Si, c'est bon. Ok, là, ça devrait aller un peu mieux. Donc, tu veux que je prenne ça et que je le mette là-dedans. Prendre soin de sa serre, c'est difficile et parfois, nous les petits lapins, on devient confus. Et tu peux trouver du coup le bouton How to Play dans la section, dans le menu, ici. Voilà. Ah, ok, ensuite. Oui, parce que du coup, ça me dit qu'il faut deux plantes, d'accord. Tu veux que j'aille jeter un œil là-dessus ou c'est ou je n'ai littéralement plus de tutoriel maintenant? Qu'est-ce qui se passe par là-bas? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là là? Ah, bonjour.
Ah, c'est le chant des Kickstarter. D'accord, très bien. Bonjour les Kickstarter. Oui, le jeu a été kickstarté. Du coup, vous avez ce petit champ dans lequel vous avez le nom de toutes les personnes qui ont aidé au financement. Que je vous cacherai pas que ça sent très bon ici. Hein. Paint Greenhouse, oui. Il n'y a pas de violet. C'est dur. C'est dur ce qu'on est en train de vivre. Je vais être franc avec vous. Après tout, on a dit que c'était une greenhouse. Hein. Soyons cohérents. On a dit greenhouse. Moi, je. Greenhouse, c'est. Il y a quoi là-dedans? Tout ça est bien mystérieux. Ça fait un peu le champ des partisans, oui. On peut vendre des trucs ici, d'accord. Ok. Est-ce que c'est ça a poussé ou pas encore du coup? C'est en train de pousser, d'accord. C'est ça le petit lutte qu'on entend de temps en temps. Mais qui fait-il que je fasse ensuite? Comment je peux commander d'autres graines? Peut-être que si tu regardais tout plaît, ça répondrait à ta question, espèce d'abruti. Ok, souhaite. Use to the mailbox to earn plant. D'accord, très bien. Ok, d'accord. Phishing? Comment ça, phishing? Deux petites secondes. Ah! Soudainement, le jeu vient de prendre une autre tournure. Il a son petit bateau. Il a ses petites rames. C'est un contrôle. En plus, c'est un contrôle à. D'accord. Si je maintiens, est-ce qu'il continue de. Non. Il faut donner les coups de pagaie avec les sticks. D'une manière. Ouvrez les guillemets très très grands, réaliste. Avec les sticks, avec les gâchettes, pardon. Non, je sais pas où on est. Tourne un peu. Tourne encore. Oh, c'est. Voilà, on va aller au beau milieu du lac. Ah, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Oh, par contre, aucun tutoriel pour la pêche, tu te démerdes. Vas-y, c'est la fête. Vas-y, voiture, musique à fond. Calage, calage, c'est bon, on est parti. Ok. Bon, on va pas y passer toute la journée à que faire de la pêche. Hein, mais surtout qu'on peut même pas les revendre, apparemment. Quelle déception. Ouh. Bon, j'ai récupéré la basse et maintenant je drop la basse. Bien, maintenant il faut juste qu'on revienne au rivage. C'est simple. Ça va pas du tout prendre trois plombes. Le rivage est là, il faut juste qu'on revienne vers le rivage. Donc tout droit maintenant. Tout droit maintenant. Voilà. Si vous m'avez vu jouer à Sea of Thieves, vous savez que c'est simple, ça. C'est easy peasy. Tout droit maintenant. Ok, donc peut-être pas tout droit du coup.
Ok, tout haut. Okay. À mon avis, si tu insistes un peu, on devrait y arriver. Non, on va peut-être. Du coup... Non, c'est l'autre. Là, maintenant tout droit. Non, je veux descendre. Je veux descendre. Comment je fais pour descendre? Non, je veux pas que. Je sens que ça va être un problème. Bon, maintenant qu'on est lancé, hein, on va juste pêcher le poisson quand même, parce que c'est insultant. Mais. Comment je. Ah oui, non, mais c'est incroyablement choupi, je suis entièrement d'accord. Je veux descendre. Je veux descendre du bateau, par contre. C'est chiant, je veux descendre. Faut que tu commences à pêcher, c'est pour la vie. Non! J'avais encore envie de faire d'autres choses. Non. Vas-y, petit lapinou. Vas-y, fais-le. J'ai une entière confiance en toi. Ma plante est morte depuis 3 jours. Je pense qu'à l'heure actuelle, voilà. Non, mais là, c'est bon, là. Select Nimote. Tout va bien. J'ai trouvé. Par contre, comment ça, Select Nimote? Vous aviez parlé de zoom. Comment je zoome? Montre-moi les autres emotes. Mets-toi un endroit un peu dégagé. Et montre immédiatement les autres emotes à papa. Je vais y arriver. Je vais trouver la touche. On a quoi d'autre? Non mais là c'est de la choupinitude weaponisée, c'est pas nice ça. Tiens les caisses. Comme quoi, hein, j'ai bien fait de faire un petit tour. Bien. Oh, elle était déjà sans doute là quand je suis parti tout à l'heure, hein, mais bon, au bout d'un moment. Hop là, donc. Je prends le sachet de terre. I'm just a teenage dirtbag baby. Hop là. Je repose le sachet de terre. C'est saut. Zboing, zboing. Zboing, zboing. Là, zboing. Zboing, zboing. Alors, Lemon Butter Ferme, c'est celle qu'on a devant les pifs. Donc, celle-là, elle a besoin de 2 de soleil. Et un de flotte. Est-ce que, sachant qu'on vient de nous dire... J'ai peut-être fait de la merde. Est-ce que, sachant que... Parce que ça, c'est un Lemon Butter Ferme aussi. Non, c'est une Monstera. Ok. Donc elle a besoin d'un peu plus de flotte, celle-là. Et ça, c'est une Pilea. Pilea. Pilea a besoin de flotte aussi. D'accord. Donc, hop. Squeak. D'accord. En attendant que ça pousse. Attendez, on a combien de flotte celle-là? Est-ce qu'elle n'est pas en train de se dessécher? Non. Tout va bien. Celle-là est contente.
Elle est relativement contente aussi. Ah oui, c'est totalement une référence à Witus, oui. Alors, qu'est-ce que je peux commander du coup ? Le nouveau pot, ça me coûte 12 carottes. Ah oui, mais j'ai pas d'argent. Une petite table, ça coûte 15 balles. Tapis de yoga. Magnifique. Un truc qui permet de faire de l'ombre, un peu qui permet d'améliorer. Ok, oui. D'accord. Un pont, un bassin pour des koi. Je peux améliorer le dirt bag pour ajouter du fertilizer. Augmenter la taille de... Oui, d'accord. Ok. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on part de la base que celle-là, là-bas, au fond, a déjà dû pousser, en fait ? D'accord, ça indique la quantité de soleil qu'elle a. Est-ce qu'on a une idée de à quel point elle a poussé ? Où est-ce que je dois vendre le pot entier ? Attendez, je vais vérifier l'info. C'est peut-être logique que je vende le pot entier, remarquez. Et ça m'a rapporté 20 carottes. D'accord. Ok, c'est bon. C'est bon, on y est, on a compris. Ok, c'est parti mon kiki. Non, moi c'est Elton. On va refaire la même. Monstera, call me by your name. Et du coup maintenant, là-devant, on attend la livraison. C'est les lapines, c'est ça. Nous, tu sais, dans la maison du bonheur, on adore oui, on adore les lapines. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. Par contre, c'est quoi ce système de... On commande... C'est parce que j'ai rien commandé, en fait. Hein. Parce qu'il fallait appuyer sur... Accept order, ensuite là-haut. Pour que commence à passer. Très bien. Je jump. Ta mère, elle va jumper. Tout va bien. Elle est au top. Et tout va bien, elle est au top. Ok. New pot unlocked, octogonal pot. Le vrai Dark Souls commence maintenant. Je vais faire des petits sauts. Je vais supposer qu'une plante dépasse jamais le stat small dans un petit pot, etc., etc. Je pense que c'est... Bah non, parce que c'est large, du coup. Mais comme il est déjà large, celle-là, je peux sans doute la revendre. Parce que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, et puis merde, on est trop jeune pour vivre comme ça. Moi, je veux prendre des risques. Carottes. J'ai débloqué un chapeau en pêchant. Alors oui, ça j'ai vu, mais par contre je sais pas si je peux équiper mon lapin une fois que ça s'est fait. Et si oui, où? Bonjour. Ce qui est bien, c'est que du coup maintenant j'ai pas commandé une graine et maintenant j'ai pas de nouveau un pot de libre, donc je peux de nouveau recommander une graine. Et c'est avec ce genre de choses là, hein, qu'on détruit la forêt amazonienne, bordel. Pardon, excuse-moi. Monza, rappelle-moi. Comme toutes les autres pour l'instant. Pour l'instant, on fait simple. D'accord. Mets-en la bonne dose. Voilà. On va fouiller un petit peu. On va fouiller autour. Il doit y avoir un endroit où je peux faire ça. Je sais pas s'il y a le machin de déco.
Machin de chapeau doit pas être loin. Ça fait plus cimetière qu'hommage, hein, ça, quand même. Hein. Je veux pas être négatif, mais bon. Le peuple récupère le chapeau. Ah non, mais je tiens à donner le chapeau au peuple, mais... je ne sais pas comment. Et je vais pas trop m'interrompre pour aller faire une recherche team pendant 10 minutes, ce serait compliqué. Maintenant, si vous avez envie de faire une recherche team en cherchant Bunhouse, How to put hat on rabbit, n'hésitez pas. Essayons le puits, peut-être. Je sais pas pourquoi je sens le puits. 106 cm. Quelle belle bête. Peut-être dans la maison. Alors j'ai essayé de rentrer dans la maison. J'ai eu la même idée. J'ai essayé de rentrer dans la maison, mais en vain. Pourquoi je saute pas plus, histoire de gagner un petit peu de... Par contre, il y a une échelle sur le côté. Est-ce que par le plus grand des hasards ? Non, j'en doute. Mm-hmm. Est-ce que ça compte comme une décoration ? Est-ce que c'est dans ce menu-là aussi, peut-être ? Non. Je suis circonspect. J'aimerais bien vous montrer le chapelle, mais je ne sais pas. Dans la serre, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être... genre là-bas, là, les espèces de panneaux, non ? C'est pas des panneaux. C'est pas des panneaux, mais... Est-ce que je peux interagir avec ça ? Non. Est-ce que je peux interagir avec la poubelle ? Est-ce que je peux interagir avec ce gros truc bizarroïde ? On va trouver. Est-ce que je peux commander un chapal ? Parce qu'il se trouve, faut d'abord que je le commande. Visiblement non. Menu général. On va regarder. Est-ce que c'est dans les settings ? Attendez. Pocket Plantpedia avec bas. Change d'apparence. Change d'apparence. Cowboy shit! Cowboy shit! Qu'est-ce que c'est bidramatique? Je suis curieux. Non! Non, petit lapin, non! Par contre, le truc pour zoomer, dézoomer, c'est un peu chiant, mais... Ah ! D'accord. Je... Non, mais j'étais occupé, là. Je... Ok, Coity Dirt. Ah, je... Très bien. J'étais occupé, je faisais des trucs, je... Oui, oui, oui. Et ça, en fait, est-ce que ça me permet de... Oui, d'accord, ça me permet de me débarrasser de la terre de mauvaise qualité. Ok, très bien. Des erreurs ont été commises, on apprend. C'est... Ok. On gagne pas à tous les coups. Bien, on peut encore aller acheter des plantes. On va rester sur du 2-2 pour l'instant parce que je sais... Attendez. On va reprendre une Lemon Button Fern, mais j'ai envie d'essayer de prendre des poppies. Et d'apprendre comment ça marche.
Parce qu'il faut que je trouve du coup l'endroit de ma serre qui a 3 de soleil. Ok. On part à la chasse. Parce que là, il y a plus de soleil. 2. D'accord. Est-ce qu'il y a seulement un endroit de ma ferme ? Ici ? Non, ça, c'est les cases sur lesquelles j'ai pas le droit de le poser. D'accord. Est-ce que près de la fenêtre ? Parce que ça serait logique, hein ? On est d'accord que ça serait logique que plus proche d'une fenêtre, il y ait plus de soleil. Pas du tout. Je vais supposer qu'il me faut obligatoirement du coup le enhancer ou le réducteur, mais du coup je ne sais pas si je vais avoir de quoi me le payer. Cette plante a l'air cuite. Allons la vendre. ...47 carottes. Oui, j'arrive. Fantastic quality dirt, parfait. Quatre de riad. Ah oui, mais d'abord, il faut que je commande... Ah, d'accord. Ok. Vite, super gland. Bien dans ce pot. Arrose le pot. Non, récupère l'arrosoir par contre. C'est pas... Non. Maintenant, comment vous voulez que je sache sur quelle touche faut appuyer ? C'est pas marqué sur l'écran en gros non plus. Comment ça, si ? Vous êtes désagréable aussi. Alors. Bien. Je suis certain que le fait qu'elle n'ait pas assez de soleil ne sera pas un problème. Donc... Combien ça coûte le machin que je peux mettre au-dessus du pot pour qu'il y ait plus de soleil de... Le... C'est pas là-dedans... Dirt Dryer... Shade Unit... Non, le Sun Magnifier... 75 75, c'est beaucoup. 75, je les ai pas. Je les aurai peut-être plus tard, mais pour l'instant, je les ai pas. Et qu'est-ce que je fais si je dépense toute la thune et que je finis en banqueroute ? Ça se passe comment exactement ? Que fait le tapis de yoga, au fait ? Est-ce qu'il y a un intérêt ? Ah, c'est un tapis de 1 sur 2 pour faire du yoga, en l'occurrence. D'accord. On va prendre un pilea. C'est le pilou-pilou dans la garrigue. Bien. Niveau, c'est pas mal. La terre est pas top. Qu'est-ce qui se passe ? Elle a pas assez de soleil. Elle est en train de crever. Elle est en train de crever à vue d'œil. Mais c'est là aussi, il est en train de crever à vue d'œil. Pourquoi vous êtes tous en train de crever ? Vous n'avez pas assez d'eau ? Pourquoi je suis en train de faire crever toutes mes plantes ? Non, il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau aussi. Du coup, je suis en train de les faire crever encore plus vite. Je ne sais pas quoi faire. Pourtant, tu as le soleil, tu as l'eau, et vous êtes tous les deux en train de crever comme des merdes. Bon, toi, tu n'as pas le soleil qu'il te faut, et tu as trop d'eau. Mais bon, voilà, c'est pas...
Ok, donc mieux vaut être dans la deuxième case que surarrosée, en fait. C'est ça ce que vous me dites? Ce que vous me dites, c'est que ces deux plantes vont crever parce que j'ai foutu beaucoup trop de flotte. Bien. J'entends vos remarques. J'assume les conséquences de cet échec. Et je me retire de la vie agricultrice, la pinière. C'est compliqué. C'est globalement, c'est très compliqué. Mais non, mais t'as balancé tout le pot, mon gros con. Je voulais pas que tu balances tout le pot, je voulais juste que tu balances la graine qui était dedans. Ce que t'as fait pour toutes les autres. C'est dramatique ce qui vient de se passer. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et je vous demande de m'excuser. Ok, on ne va pas trop surarroser. On va rester dans la deuxième case. Ah, la plante passe un super moment. Ok. Ne pas rentrer dans la troisième case d'arrosage, ça a des conséquences catastrophiques. Alors. On peut le faire. Le tout, c'est une question de conviction, ensuite, hein, vous savez. C'est ça le principe. Oh, j'ai trop tellement choupu. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a Pocket Plantpedia qui est affiché en haut de l'écran en permanence alors qu'elle devrait pas l'être. Mais bon. On va remettre de la terre, en fait, dans le machin. Du coup, est-ce qu'on part de la base que c'est aussi un lapin qui doit conduire le camion? Qui nous livre les trucs? Non! Non, ça n'est pas un lapin! J'ai bien fait de sortir pour les vérifier. Ok, c'est parti. Et on va attendre que ça monte genre dans le... Là. Là, ça devrait être bien. Ok, la plante est contente, tout va bien. Là, on pourra éventuellement changer la terre après. Ok. Jusqu'ici, tout se passe bien. Je vais prendre cette table et je vais la mettre là. Voilà. Il va falloir que je rachète un pot. Ça coûte combien les pots dans ce pays? Dites-moi que les pots sont à un prix raisonnable. Oui, les pots sont à un prix extrêmement raisonnable. D'accord. Nous allons acheter un pot moyen. Un peu comme moi. Et on va acheter... voilà, ceci. Accept order, let's go. Qu'est-ce qui se passe, Kevin? Est-ce que je peux t'aider? Ah non, toi, tu es juste entre... D'accord, tu es l'oiseau qui réceptionne ma commande. Il se passe des trucs. Il se passe des trucs, avouez que c'est pas clair. Ok, nous avons un tiny et nous avons un medium. On va attendre qu'il essaye de pousser encore un petit peu.
chouchou la gasoline. Alors, Amazon Prime, ça se bouge le yonf ? Allez, j'essaie, il y en a qui essaient de bosser ici, bordel. Merci. C'est hallucinant quand même. T'es un entrepreneur, là, t'essaies d'être professionnel. Genre mettre des plombes à te livrer tes trucs. C'est pas normal, ça. Ça, c'est pas la France que je veux défendre, moi. Ok. Alors non, parce que j'ai pas d'abord mis la terre dans le pot, et si tu balances ta graine avant de mettre de la terre, ça peut être compliqué. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les fermes alsaciennes. Bien. Ok. Je crois que ça a besoin de... Non. Je sais quoi, pour ce qu'on en a à foutre, mets-le là. Pour moi, les arrosoirs et tout ça, ça n'a pas besoin normalement d'être posé sur un truc, mais c'est pas grave. Hop. Non, j'ai mis trop d'eau. J'ai mis trop d'eau, elle va pas être contente. Il faut que je sache qu'on m'arrête. Et si ça y est, c'est bon. Vu que j'en ai juste mis un petit peu trop, ça allait. Ça, c'est quoi ? Medium. Celle-là, par contre, c'est bon. Oui. Nous allons la vendre. Gagner de la thunasse. Nous sommes de retour à 43 carottes. Je vais vider la terre parce que je pense que la terre doit être un peu dégueulasse dans celui-là. Surtout ne pas revendre le pot et pas faire 20 fois la même connerie, ça ne fait rire personne. Ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qu'on peut voir dans une courte session. Mais ils sont trop choupi. J'adore le concept. Exactement comme Justin, oui. Comme Justin Trudeau. Fantastic Quality Dirt, hein, merci beaucoup. Celui-là aussi. Ah, celui-là aussi, il peut être vendu. Ah, très bien, on va le revendre. C'est Bun House. C'est sorti sur PC cette semaine. Le yoga. Est-ce que tu veux vraiment que je... Ok, tu sais quoi, je vais commander le tapis de yoga. Morrigan étant modératrice sur cette chaîne depuis longtemps, elle a des privilèges que d'autres n'ont pas. On va donc commander immédiatement le tapis de yoga avant de partir. Et on va commander aussi des graines, hein, parce que bon, c'est... Voilà, ça je pense qu'on peut commander tout ça, oui. Est-ce que la terre dans les autres pots est encore à peu près correcte ? Fantastic quality, ça fera le boulot. Fantastic quality, parfait. Dans quel sens ? Je ne crains rien, Jésus est mon berger ! Ah. Déception. Voilà, voilà, voilà. C'est parfait. C'est absolument parfait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute à ça exactement ? En plus, il le renroule quand il le ramène. Il fait ça proprement.
Quel professionnel. Ouais, comme ça, ça fera notre petit espace yoga. Celui-là, c'est bon. On va aller le revendre en sortant. Oui, mais du coup, il faut que je revienne. On va vider la terre quand même. Si déjà on est dehors avec le pot, hop. Vu que j'ai pas l'impression qu'on la paye ou qu'on a besoin de racheter un nouveau sachet en fait à intervalles réguliers. Donc autant la changer à chaque fois qu'on a un petit doute. Saute, saute petit être. Et la flotte. Flotte dans celui-là, on est déjà bon. Et dans celui-là, on va en mettre une bonne petite dose. Hop là. Bien. Allez, hop. Ça suffira pour ce matin. C'est Bunhouse. Du coup, c'est dispo à combien? Je vais aller faire la petite vérification de... traditionnel. Je crois que c'était pas très cher. Je crois que c'était à genre 10 balles de mémoire. 16 balles 79. Voilà. C'est sur Steam. C'est choupi comme tout. C'est mignon. C'est choupi. Voilà. Allez. Gros bisous YouTube.